Merguez électronique, merguez électronique, merguez électronique. Bienvenue sur Silicate, abonnez-vous à la chaîne s'il vous plaît. N'hésitez pas à liker ma vidéo, à laisser plein de commentaires. Je lis tous les commentaires, je réponds à tous les commentaires. Junk & Po, c'est le jeu de pierre, feuille, ciseaux en japonais. J'ai ajouté la pop. La Game Boy, j'en fais depuis plus de 10 ans. À cette époque-là, il n'y avait pas de téléphone portable, de tablette, de machin comme ça. C'était à peu près le seul et unique outil portable que tu pouvais avoir dans la poche pour composer de la musique dessus et faire des lives. Et le logiciel que moi j'utilise, c'est un logiciel qui fonctionne à base de copier-coller, CTRL-C, CTRL-V, mais tous les raccourcis sont à la Game Boy. Et une fois qu'on commence à les avoir dans les mains, on peut composer la musique d'une manière très très rapide. Tu fais tes synthés, tu fais tes kicks, tu fais tes instruments de percussion. C'est assez merveilleux la Game Boy, hein. Ça sonne super bien quoi. Souvent l'approche du circuit bender, c'est on prend un objet électronique, on le dévisse, on l'ouvre, on met les doigts dedans. Si on entend que ça fait des sons rigolos, on se dit ah bah tiens, je vais peut-être souder un truc. Mais c'est une approche complètement empirique et c'est quelque chose d'assez passionnant. C'est pour les gens qui veulent avoir leur propre style, le circuit bending, et puis c'est, voilà, c'est passionnant, c'est la musique expérimentale. Détourner des choses qui sont pas faites pour être pour ça, c'est juste en fait humain quoi. Ce qui est intéressant avec ces approches là, c'est que finalement à la base au niveau des moyens, on a un minimum donné et on va essayer en fait de le transfigurer. Maintenant je veux dire, il y a des minots de 20 piges qui font de la Game Boy aussi et ils font de la trappe. Donc Windows 93, c'est un site, tu vas dessus, et petit son sympathique, PlayStation 1. Il y a Wolfenstein 3D, yes. Il n'y a personne, pas des nazis normalement. C'est complètement con. En fait, à la base, on a créé ce truc-là pour se faire plaisir et pour faire plaisir à nos potes. Et donc, on imaginait avoir 300-400 personnes au lancement. Et puis, c'est parti très vite en cacahuète parce qu'on avait fait 1 million de vues en 3 jours. Les gens se filment en train de l'utiliser, donc ça nous faisait aussi du feedback. C'est rigolo, quoi. King of Fighters 93 avec Zangief, c'est bizarre. Après, c'est niveau 2. Si la voiture. Panda Win, d'accord. Qu'est-ce que c'est con ? C'est à la fois une compilation de travaux d'artistes ou de développeurs qui sont esthétiquement ou artistiquement intéressants, mais aussi c'est un support pour nous pour montrer notre propre travail. Il y a du jeu vidéo, de la musique, de la vidéo,
du code, des virus. Et Hydra, qu'est-ce que c'est? Hydra, virus, oh, wow, virus, pas cool. Dégueu. Dégage! Il y a une icône sur laquelle j'ai pas osé cliquer. Le dauphin. Totally not a virus. Trust me, I'm a dolphin. Bah non. Le dauphin, en fait, c'est un effet de gravité sur le bureau qui permet de jouer à Angry Birds avec les icônes du bureau, en fait. On peut jeter les éléments. Il y a une gravité qui s'installe et on peut jeter les éléments un petit peu partout. Ouais. Écoute, j'ai pas vraiment le temps de procrastiner comme un gland, là. Je suis sur Windows 93, tu vois. Procrastiner comme un gland ? Sur Windows 93, pas de kayak, pas de Facebook, pas d'Instagram. Les contenus ont été optimisés pour assurer un maximum de gain de temps et de satisfaction à sa clientèle. Et ça, mon ami, ça fait toute la différence. Alors, tu préfères aller au kayak ? Au kayak comme un gland. Super player, pro master au niveau. Méprise les casuals, maîtrise le casse-dalle. Surdonne Taito, s'entraîne tantôt, mais jamais il ne déco. Les interactions avec le public, je pense que c'est quelque chose quand on est musicien, en particulier électronique, dans cette famille un peu DJ, électro, live, je pense qu'il faut être à l'écoute du public. Qu'est-ce que vous aimez comme musique ? L'Eurodance ! Hein ? L'Eurodance ! Eurodance ? Ok, j'en ai pas. Moi je fais pas de la musique de chambre, je fais de la musique pour jouer en live. Yo, they call me the Kiwi boy. J'essaye de fonctionner un peu comme une sorte d'amplificateur. Je vais essayer de donner une certaine énergie. Si le public est réceptif, il va me la rendre. Et ça va me permettre d'être plus fou et peut-être de les faire devenir plus fous eux aussi. Donc c'est voilà, une espèce de système un peu comme ça. Un bon live de moi, c'est un bon public. Bon, un mauvais live de moi, c'est moi qui suis mauvais, généralement, mais... Parfois, c'est adapté d'utiliser une licence de diffusion un maximum. Ça dépend de ton projet. Par exemple, si tu codes un moteur de site, tu vas le mettre... machin, pour que ce soit collaboratif. Si tu lances un projet de musique et que tu veux que les gens puissent le réinterpréter, bah, tu vas choisir une licence définie. Si on veut faire de l'argent avec, on m'envoie un mail pour me demander. Voilà, on en discute. C'est pas passé ma vie à courir après le pognon, mais c'est vrai que quand même, des fois t'aimerais bien qu'il rentre un peu, quoi, mais bon, fallait faire autre chose, quoi. C'est Silicate dans un nouvel épisode avec Sean Can Pop. Bonjour, c'est Silicate dans un nouvel épisode avec Jean Campo. Jean Campo. Jean Campo fait des concerts avec une gamme bouille. Jean Campo fait des concerts avec une gamme bouille.